des activités du Forum des Premières Dames de l'espace CEDEAO, élaboré un document structuré en trois axes stratégiques, à savoir la prévention de toute forme de violence, abus et exploitation, ainsi que le renforcement du système national de protection de l'enfant. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorables invités, tout protocole réservé. Je prends la parole au nom des 29 pays africains membres et des 21 pays non africains affiliés au comité interafricain qui m'ont chargé de vous transmettre leurs salutations et leur soutien. Évidemment, en tant que Guinéen, je ne saurais me dérober à mon appartenance à notre espace, l'espace CEDEAO. Je voudrais féliciter la Commission aux affaires sociales de la CEDEAO, le gouvernement du Niger et Dr Lala Malika Yousoufou, première dame du Niger, pour l'organisation de cette importante rencontre autour des questions cruciales, à la santé, aux droits et au bien-être des femmes et des filles, à savoir les violences basées sur le genre, incluant les mutilations génitales féminines et les fistules. En choisissant ce thème, les organisateurs de ce forum s'attaquent à des fléaux que le comité interafricain combat depuis sa création en 1984. Mesdames et messieurs, croire que nos sociétés peuvent se développer harmonieusement avec nos filles, nos sœurs, nos épouses, nos mères, livrées aux pratiques néfastes telles que les mutilations génitales féminines, les mariages d'enfants et les fistules. Croire à cela est une naïveté coupable qui nous mène droit vers l'échec économique. Monsieur le Premier ministre par intérim, mesdames et messieurs les ministres, chers invités, si dans notre espace, si dans notre région africaine, nous devons éviter de tomber dans les erreurs des sociétés économiquement développées, mais socialement nanifiées, il est temps, et là je parle en CEDEAO, fils de la CEDEAO, il est temps de cesser une pratique assez courante, celle qui consiste à faire la mendicité par les départements chargés des femmes auprès des départements financiers pour couvrir les besoins si cruciaux des femmes et des filles. Elles sont 52% dans la plupart de nos pays, 52% de femmes. Si on savait bien équilibrer le budget en fonction des réalités de la population, la part du budget à allouer aux femmes et aux filles devrait commencer par 50%. C'est cela la réalité. Mais nous connaissons la musique dans les bureaux de programmation budgétaire. Les questions liées aux femmes, elles sont transversales. Cela signifie en clair que les ministres chargés des femmes et des filles doivent laisser les autres départements jouer une grande partie de leurs attributions. Mais attention, évidemment, avec les ressources correspondantes. Ceci est une triste réalité qui doit changer. Si nos gouvernements sont réellement engagés sur la voie de la restitution aux femmes et aux filles de leurs droits à la vie, à la santé, à la dignité et à la conquête du bonheur. Les violences faites aux femmes doivent être considérées sous un autre paradigme. Une phrase célèbre doit disparaître de nos réalités. La violence appelle la violence. Ce n'est pas vrai. Alors, si la violence appelle la violence, la femme battue par son mari est violente parce qu'elle est instruite plus que son mari. Si la violence appelle la violence, la jeune fille doit être mariée rapidement avant qu'elle ne commence à insulter ses parents.
Si la violence appelle la violence, la femme fistuleuse doit disparaître tout de suite de la circulation. Parce qu'il est inacceptable qu'avec sa sorcellerie, qu'elle puisse contaminer le reste. Elle est violente. Non. La violence n'appelle pas la violence. En tout cas, les violences faites aux femmes sont le produit d'une irresponsabilité collective que nous devons corriger immédiatement avant que les femmes nous le reprochent. Il est important que l'on mette la balance entre les femmes considérées comme étant le groupe qui a le plus grand nombre de voix politiques dans les urnes et immédiatement qu'on les oublie dans les budgets. Alors aujourd'hui, le comité interafricain parle pas en tant qu'autre partenaire parce que les autres partenaires ne portent pas le nom africain. Nous, nous sommes interafricains, nous sommes vos frères et sœurs qui se sont réunis pour créer ce comité pour vous aider. Les partenaires, mes amis, mes collègues, qu'ils soient du monde ou de l'Afrique ou de l'espace CEDEAO, nous aussi nous devons changer de paradigme. Changer de paradigme. Nos conditionnalités devant les pays. Pour donner 10 000 dollars, nous demandons des efforts de 100 000 dollars à des pauvres populations dans les villages. Cela doit changer. Nous sommes les premiers à mettre les chiffres. Toutes les 15 secondes, une femme est battue. C'est nous qui le disons, nous les partenaires, pour attirer l'attention du gouvernement. C'est ce que nous faisons. Mais si toutes les 15 secondes, une femme est battue, cela veut dire que le temps est important pour lutter contre cette violence. Et si le temps est important, ne passons pas le temps à nous battre contre les gouvernements. Passons le temps à nous entendre avec eux pour que les femmes sortent de cet état.